on that cop like the country in the 80s. Wow, là ça a envoyé sévère cette semaine et ces dernières semaines, hein, ce dernier mois ça a envoyé sévère. Donc n'hésitez pas à mettre la cloche, abonnez-vous, on revient deux fois par mois. News Culture, 5e épisode, c'est parti, let's go! Et on démarre sans plus attendre, j'avais envie de vous le garder pour la fin, garder un peu de suspense, le meilleur pour la fin, tu connais. Mais Dieu sait que je suis impatient et je sais que vous l'êtes aussi avec moi, donc je vais vous parler de Flavio Pesanti, s'il vous plaît. Swaggio ou Swaggio, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, il envoie du style, il envoie du swag. Retour en 2016, mais là, pour 2021, il envoie une dinguerie. 9 minutes pour Blunt Scooter et la promotion de son deck AOS V5. Certains diront qu'il a mis un peu de temps, etc. Mais là, c'est de l'excellence. On a du haut niveau, même au niveau du montage, c'est très professionnel. Regarde-moi cette technique, la technique est malade. Il y a que lui qui peut graber comme ça sur ces tricks-là. Il a traversé plusieurs villes en Europe, c'est vraiment, tu sais, très tactique. On pourrait l'appeler le mathématicien tellement c'est très très chaud. Vraiment, la réalisation est excellente. On trouve Martin Duchamp qui arrive à retranscrire l'univers de Flavio et on a envie de plonger dans cet univers. La petite trompette qui t'enchante, moi ça m'a fait kiffer de vous. Bon, ok, ça y est, les hostilités ont commencé. On va enchaîner avec les Américains qui ont vraiment fait un vrai taf. On enchaîne tout de suite avec John Devrin. Donc là, c'est un petit 2 minutes, tu vois. Petit 2 minutes pour te mettre en bouche et pour North Scooter. Et tu le vois d'ailleurs, il est prêt à bénir tous les spots en backward ou en nose manual. Et autant te dire qu'il arrose les tomates autant que les spots. Donc là, t'es prêt pour une bonne petite entrée là. C'est même plus une entrée, c'est un bon plat de 2 minutes, mais bien kiffante. Et donc on enchaîne pareil avec Will Judy pour Teal Scooter, comme John Devrin en Californie, qui s'envoie sur un tas de spots sur du Alicia Keys. Tu vois, this man is on fire. Il est en feu de ouf. Il envoie des tricks super quali. Vraiment, moi, ça m'a touché en plein cœur. Tu vois, il met une vraie ambiance sur son projet. Il a réussi à mêler études et la trotte, tu vois. Donc ça, c'est super lourd. T'as son caméraman qui flex même de temps en temps. Donc tu vois, il mêle le sale et les hugs. Donc tu vois, c'est cool. C'est trop cool. Il est quand même bien connu dans son pays. Mais si toi, tu ne le connais pas, je t'invite vraiment à aller la voir. Rappelle-toi, lien en description, en bio, tu peux tout checker. Le truc, vraiment, moi, ça m'a fait kiffer. Je pense que tu peux apprécier aussi. Et on sait très bien que la West Coast est super chaude, mais on s'envoie dans la ville qui ne dort jamais, à New York City, avec le crew Scoo York pour Crack Pipe on Wheels 2 cette fois-ci. Et là, c'est vraiment, c'est la vibe, tu vois, c'est vraiment la vibe américaine. C'est pas full tricks, etc. Mais tu rentres vraiment dans le crew. Il y a comme, tiens, tu rentres, t'es en immersion, t'as envie de graffer le prochain building, t'as envie d'aller streeter ce petit spot qui est super lourd. Et d'ailleurs, il y a même un certain. They call me Grabinski. Grabinski, man, that's my nigga Grabinski, man. He doing what he gotta do too, man. Busting Escalates all season. Yamata is done. Smoking on Zaza, yo, pass me the Zaza, man. Qui se permet de passer le Zaza, tu vois ce que je veux dire, doucement les petits jeunes. Et d'ailleurs, il y a des Young et des OG, et parfois ensemble, c'est vraiment un vrai cartel. Et dans une vibe tout aussi cool, on a Liam Davidson. Ah, tu veux que je t'en parle? Sans problème, t'inquiète pas, News Culture, on est là pour ça. Alors lui, il aime trop surenchérir, tu vois, il double, il triple, il sort des lines super techniques. Oh ouais, non mais lui, c'est même plus un VTT, hein. On invente un nouveau truc, essaie de retenir, hashtag TTT, trottinette tout terrain, il roule même dans l'herbe, c'est un truc de ouf. Bon, la côte est, c'était bien, mais il se passe beaucoup de choses en Californie, sur la côte ouest. On a notamment Scooter Farm, le shop bien connu à San Diego, se sont loués un petit van pendant la pandémie, mais ils te sortent tout de même un 18 minutes de profil différents, tu vois. T'en as plusieurs qui sont assez techniques. Tu retrouves John Devrin, tu retrouves la team éthique, et aussi ce bon vieux qui te lâche un flair. Donc le projet se découpe en plusieurs parts et tu les vois, hein, ils se confrontent à la rue, aux difficultés que ça entraîne. Il y a 2-3 moves qui sont plutôt intéressants. Je t'invite à aller la voir. Pour terminer avec les Américains, on a ce petit jeune, Iri Duarte, la cheville, j'ai très très mal pour lui. Il a réussi à boucler un petit projet sympa. Ça peut motiver les plus jeunes qui regardent la vidéo à aller dans la street et envoyer du sale. Il nous a dégainé un reggae qui est envoûtant, tu sais, t'as presque envie de taper un bang, tu vois, vite fait. Je t'arrête tout de suite, hein, la drogue c'est mal. Et on passe vraiment à l'action quand il switch sur un petit rock. Allez-y, c'est cool, sauf ce gars-là, un peu chelou. Tu vois les retombées? Tu les vois les retombées? Allez, très bien, on revient en Europe et il y en a certains qui ont envoyé de sacrés projets. Si je te dis chocolat, belle montre, mais aussi les banques. On va parler du Brésil. Bah...
Mais non, mais en vrai, pas de cliché, je vous parle de la Suisse et ces riders-là ont envoyé du sale ce mois-ci. Axel Germain, et non pas Alex, tu m'auras compris, pour Swiss 2020. Et là, c'est sorti pour Ethic. Alors lui, certes, il est en flow, mais cheveux longs ou rasés, grind ou gars, c'est toujours énervé. Notamment ce finger whip over de rail et ça finit en Michael Jackson. Donc très clairement, il casse la Suisse en 2 minutes. Hein. Vas-y, c'est lourd. Donc ouais, Axel super confirmé, mais on a aussi des plus jeunes comme Pierrick Frossard, les dernières recrues de la Suisse, qui vraiment, eux, ils vont s'envoyer dans la rue. C'est super plaisant. Là, il est parti pour un projet de plus de 6 minutes avec son crew, Level Crew, où vraiment, ils prennent le temps d'aller chercher des trucs assez qualitatifs. Ce qui est trop bien, c'est qu'il est super à l'aise avec sa trotte. Il est à l'aise à mort. Notamment avec ce bar backlip whip, tu vois, en détente, en finesse. Mais aussi ce board backlip whip rewind, qui est super plaisant. Comme je te le disais, hein, super à l'aise avec son guidon. Si on le compare à un footballeur, on dirait un gardien de foot, hein, aussi à l'aise avec ses mains qu'avec ses pieds. Et toujours dans la même motivation, on a Patrick Hilas. Et là, cette fois-ci, on a vu le projet sur Trendkill. Un Suisse sur Trendkill, ça fait toujours plaisir. Le projet s'appelle Genesis. Il se balade comme Pierrick en Suisse avec des spots un peu différents. Tu retrouves des connus, des moins connus. Ils vont chercher, tu vois, ils baraudent. C'est comme ça que tu fais une vidéo, c'est comme ça que tu la construis en allant chercher tes propres spots. Alors, par contre, lui, il y a la présence d'un flow avec son petit pantalon criss-cross, ses Nike shoes et son petit drip. Notamment avec ce frontboard de set Downside Full Whip. Tout ça sur un gros son américain, c'est en adéquation avec son style. C'est super cool à regarder. Et on continue avec les Suisses. Là, on revient un peu début du mois avec Triple Chef, souvenez-vous, avec une intro vraiment. Oui, bah ils se sont tous appelés chefs, donc vas-y, enchaîne. Oui, donc j'enchaîne avec ceux qui se font appeler les chefs, notamment Chef Peterman, Chef Bouddhiste et Chef Gendre, qui font des tricks de ouf, hein, on va pas se mentir, sur un 8 minutes, en pleine Suisse, en pleine montagne. Il y a des Half Cab High Speak qui sont magiques, avec des manuals 3-6, t'entends ? Manual 3-6, vraiment qualitatif. Ensuite, on sent que la fontaine est très agréable aussi, hein. Ça permet de se rafraîchir, c'est important. En Suisse, il ne fait pas que neiger, il ne fait pas que froid. Il peut y avoir de la chaleur, il peut y avoir de la tension, un peu de, tu vois, notamment avec un front 50-50 qui finit super bien. Et donc, pour terminer avec les Suisses, là, on est sur un plus gros projet, un projet un peu plus long. Ils sont partis avec 2 caméras. Je pense que c'est de la VX ou en tout cas, c'est proche de ce genre de qualité. Les mecs, là, c'est présence de flow, hein. Véridique. Véridique, ils ont tous un flow sur chaque trix. Le crew s'appelle justement Da Crew avec le projet Face. Je pense qu'il parle français, allemand, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne parle pas chinois. Retrouvez ça en lien, boys and girls. On prend un peu le soleil, on prend un peu de chaleur. Direction une ville que j'affectionne tout particulièrement, Barcelone, avec le coup Gaz, Bicien, Brand. Ce qui est bien, c'est que là, il y a de la mixité, bordel. Un peu de mixité, là. On retrouve Camilla qui fait zizir, elle se la donne, elle progresse de jour en jour. Elle-même, elle m'a dit, tu vois, c'est un plaisir de partager ça avec ce crew, de se balader dans les rues barcelonaises où vraiment ça regorge de spots. On retrouve aussi Justin et Christian qui me font super plaisir qu'on voit vraiment de belles choses car c'est véritablement leur premier projet. Eux, c'est vraiment à la route, c'est familial. Tu vois, ils y vont, ils se baladent, ils prennent la caméra. Tu vois, on n'est pas là sur des tricks de fou malade, on est surtout là pour se faire plaisir. Et cela va sans dire car les Espagnols ont vraiment mis la main à la pâte. Ils ont sorti des projets, notamment No Half Cab. Après presque un an d'abstinence, j'ai envie de dire, ils te ressortent un sacré projet qui s'appelle Prémisse avec un son un peu Summer Festival, etc. Ça m'avait manqué, je vais pas vous mentir. Et tu as des tricks plutôt cool, hein, tu as du gap, mais des choses assez techniques. On retrouve un Paul Roman, un Paul Rodriguez et moi ce que j'ai kiffé, tu vois, par exemple ce petit Fibzer de l'espace. Eux, voilà, eux ils vont découvrir d'autres villes en Espagne. Ils ne sont pas restés qu'à Barcelone, ils ont bifurqué un peu à droite à gauche et on est sur un concept plutôt collerie, No Half Cap, c'est à dire que là tu pars en faki 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 et ça passe à autre chose. Et shout out à la réalisation parce que vraiment il y a un bel étalonnage, tu sens la belle motive. C'est sombre ou très clair, c'est toi qui choisis, mais c'est lourd en tout cas. Et allez, ça y est, je vous emmène au nord pour un pays dont je n'ai quasiment jamais parler, l'Autriche, avec un viennois, s'il te plaît mon ami, un dénommé Philippe Linhart qui a envoyé du sale de ouf, 7 minutes super énergique avec des filmeurs comme Tobias Mayer. C'est une petite référence, tu vois, quand même. Matteo Mancuccini aussi, tu peux retrouver des tricks de malade, hein, je vais pas te cacher, tu retrouves des tricks de ouf, notamment où il gap du haut d'un toit de restaurant, où il s'élance du haut de la ventilation. Enfin bon, c'est un délire de ouf. Tu retrouves aussi ce genre de tricks, un front 50-50, over 50, heel out, c'est super clean, ou notamment ce tricks de malade. Et là je prends une petite voix un peu grave, un peu rauque, tu vois. Ok Johnny, je vois que tu prends tes aises, on t'écoute, hein. Ça te dérange? Attends, le trick c'est fou. Le trick c'est fou, c'est un 180 front 50, downside whip 50-50 sur le curb d'à côté. C'est épique, moi je trouve ça dingue. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on peut le dire, ouais. Skusku. Ouais, c'est plutôt lourd. Et on enchaîne sur les pays nordiques. Là, c'est un Finlandais, un tout jeune, Mathias Rankoko, qui fait son entrée pour la marque française Prime Scootering en flow. Et Dieu sait qu'il a déjà le potentiel pour monter en pro. Là, c'est ouf, le gars a, je crois, à peine 2K sur Instagram. On s'en fout, de toute façon, c'est pas ce qui fait le niveau. Là, c'est clair.
clairement une masterclass que nous propose Prime et Mathias, parce que le gars, justement, sorti de nulle part, nous fait des dingueries folles, insoupçonnées, tu vois. Il mélange rotation de malade, mais il mélange aussi des grinds qui sont super engagés. Tu sens qu'il a donné sa vie et tu vois, t'as ce potentiel-là. Prime a déniché une vraie pépite. C'est une vraie pépite. Franchement, masterclass. Et donc, pour clôturer ce petit tour du monde des vidéos du moment, on finit avec un Français, Marius Bonnier, pour Wise Scootering, qui avait filmé avant l'année 2021. Ça devait être... Il a dû filmer ça fin décembre, avec à la caméra Baldisseri et Monsieur Béchet, mais Baldisseri au montage. Et c'est vraiment tout en finesse, en technique. Tu sens qu'il s'est vraiment approprié sa trottinette Wise. Il s'est baladé entre Bordeaux, Mimizan, mais aussi Libourne, pour nous faire un projet super qualitatif, très originaux en termes de tricks. Nous, ici, sur News Culture, on le suit déjà depuis un petit moment. Tu peux voir que sur l'Instagram, on a fait quelques articles. Oui, c'est vrai que tu t'es amélioré sur les articles. Oui, c'est vrai. J'ai vu que tu as mis une petite bannière aussi. Oui, oui, c'est plutôt stylé, oui. Oui, oui, tiens, voyons voir ce que tu as à nous dire sur l'île de la Réunion. Ouais. L'île de la Réunion, située dans l'ouest de l'océan Indien, qui fait une superficie de 2512 km² dans l'archipel des Mascariennes. Tu peux retrouver une île très connue comme l'île Maurice. On parle d'une île volcanique, créée notamment grâce à un point chaud. Et en parlant de point chaud, les riders réunionnais, ils sont pour quelque chose. Oui, enfin, t'as quand même oublié de parler du Piton de la Fournaise et du Piton des Neiges, qui sont quand même super connus. Tu vois, il y en a qui vont là-bas exprès pour ça. Mais bon, passons. Continue. Bah ouais, mais nous on parle pas des touristes, on est justement là pour parler des locaux. On commence d'ailleurs avec les principaux skateparks du sud de l'île, avec notamment le skatepark de Saint-Pierre, en ce moment en construction, mais dans à peu près 4 mois, j'ai mes sources, hein, il devrait être terminé. On a aussi le skatepark de Saint-Joseph, qui est tout récent, qui doit avoir une petite année, et aussi le skatepark de Petite-Île, qui a un style Street League qui est très intéressant. Plus au nord, on a aussi les skateparks comme Saint-André, dénommé le Colosse, qui lui existe déjà depuis une bonne année, qu'il devrait sûrement agrandir, et on a aussi Saint-Paul. Et sans oublier le fameux skatepark à Saint-Denis, la capitale de l'île de la Réunion, avec son propre shop Cheese Skate, qui se met d'ailleurs à vendre de la trottinette. Donc voilà, c'est un skatepark assez complet. Et venons-en, en fait, on a des riders de qualité, certains qui partent en métropole pour leurs études, comme Nathan qui a tué le skatepark de Saint-Denis. Mais dans la même lignée, on a Kenny qui step up de plus en plus. Pour ceux qui font du sale, hein, on a Alain qui est une référence, on a aussi Maël qui nous avait sorti une vidéo dingue, c'est littéralement une visite guidée en vidéo. Valentin, positivité et détermination, lui c'est Monsieur Flo par excellence. T'as aussi des Quentin, Antoine, il y en a plein, il y en a un nombre inconsidéré, il y a plein de jeunes extraits. Mais oui, vous l'aurez compris, l'île regorge de potentiel. Et parfois, enfin voilà, il faut les soutenir. Ce qui est sûr, c'est qu'ils gardent cette culture du dépassement de soi et de toujours aller de l'avant. Ça, c'est énorme. C'est vrai que t'es pas si bon en géographie, mais on peut placer les riders au même niveau que le Piton de la Fournaise, je te l'accorde. Voilà pour cette nouvelle rubrique Tu connais, tu connais pas, l'île de la Réunion. J'espère que t'en as appris. N'hésite pas à me dire en commentaire, justement, quelle ville, pays, spot, skatepark que tu aimerais découvrir ou faire découvrir dans cette rubrique. Cette semaine, dans la rubrique Instagram, j'ai décidé de vous parler que de filles, parce que épisode précédent, j'ai parlé de Zero Girl, et Dieu sait qu'il y en a. On va commencer avec Elisa Polonio, qui a fait 2-3 sessions street plutôt engagées, où elle envoie de jolies figures, et je crois bien qu'elle prépare une vidéo. Et tout en glisse aussi, on a Delaney Ball qui s'envoie, elle c'est sûr, par contre elle va nous sortir un truc avec Tilt, mais pour le moment elle nous fait profiter de sacré tricks en street s'il vous plaît. Et là, avec un côté un peu plus park, avec un peu plus d'amplitude, on a Léa Boularan qui s'envoie sur un drop plutôt intéressant, et 2-3 tricks prometteurs. Et j'ai découvert aussi, pour vous, je suis allé faire 2-3 petites recherches, je suis tombé sur elle. Une jeune anglaise, plutôt polyvalente, elle s'engage dans les parcs, mais aussi sur des spots un peu plus street, elle est sponsorisée Blazer. Donc allez la voir, elle est peu suivie, c'est plutôt une petite pépite. On a aussi les Espagnols avec Carla Ramiro qui me... Tu vois, même moi, ça me motive, ça qui est trop cool. De toute façon, pas de protection, pas de casque, elle y va sévère, elle y va sec. Et on a cette jeune aussi, Aïcha, proche du crew Filaine. Allez les voir, c'est super cool, je vous mettrai tous les Instagram en description, n'hésitez pas. Et prochainement, on aura des articles qui arrivent sur l'Instagram. Et donc ça y est, je vais enfin pouvoir vous annoncer le gagnant du deck, Martin André. Là, c'était The Lot que je vous faisais gagner. Mais de toute façon, on va essayer hein, d'avoir la même cadence, d'essayer de toujours monter un peu plus haut et de vous proposer toujours des lots de qualité. Vous êtes la MIF, on est là, on va se faire partager, obligé. Là, l'épisode est tellement lourd que je vais devoir assumer et vous faire gagner des bêtes de lots. Donc sans plus attendre, je vous fais gagner le deck Martin André de chez Wise Scootering en scrollant. J'ai préparé, d'ailleurs là, on est en direct, ceux qui sont en direct, shout out à vous. J'ai chargé les 1500 commentaires. Ça part, je scroll. Let's go.
Ça va, vous? Ça scroll en masse. N'hésitez pas en commentaire à me dire qui vous avez... dites rien en commentaire. Dites rien. Ah, j'ai chaud, même moi j'ai une petite pression là. C'est quoi, tu vas me dire un stop, je pense. Tu me dis quand tu veux. Et le grand gagnant est Gabin PCHX qui remporte. D'ailleurs, il y a eu 3 petits likes. Je pense que ces potos ont liké de ouf. Gabin PCHX qui remporte ce deck Martin André. Voilà, c'est un réel plaisir de te le faire remporter. On te l'envoie, c'est pour toi, c'est cadeau, c'est la mif. On passe au lot, au prochain que je vous fais gagner pour cet épisode. Et pas des moindres, parce que c'est un sacré lot lui aussi. Vas-y, là tu peux couper. Shit! Et allez, ça y est, on attaque pour un nouveau jeu concours là. Encore grâce à Wise Scootering. Parce que mine de rien, ils fêtent leurs 10 ans. Et pour cette année, ils vous préparent de nombreuses choses. Ça, c'est clair. Le lot que je vous fais gagner est encore une fois signé Martin André. Car c'est la fourche que je vous fais gagner. Une fourche un petit peu plus courte qui te permettra de ne pas mettre de spacer quand tu roules avec un système de compression SIS. Et ils te fournissent d'ailleurs le petit shim qui te permet d'avoir l'autre système, le système HIC, qui est plutôt pratique. Voilà, c'est quand même une fourche qui a de la gueule, qui envoie du pâté, où tu peux mettre plusieurs types de roues comme le deck. Bah normal, ça paraît assez logique. Ah oui, c'est vrai que c'est une belle fourche. Et je te le rappelle, pour participer, il faut que tu notes 3 amis de ton choix, que ce soit ton pote, tout ton crew entier, ta famille, ta meuf, ton petit copain, ta petite copine, bref, t'as compris, il suffit de taguer 3 personnes, liker la publication, t'abonner à News Culture et tu pourras tenter de gagner cette fourche qui est magnifique. Voilà, sacré lot, j'espère que les lots vous plaisent en tout cas, hein. J'espère que les lots te plaisent. Là, on est arrivé à terme de cet épisode. Moi, c'est trop un plaisir, je m'éclate à vous faire ça. J'espère que la petite rubrique t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire. D'ailleurs, là, on arrive 2 fois par mois, donc tu peux mettre la petite clochette. Fais valdinguer la clochette. Mais aussi, n'hésite pas à t'abonner, abonne-toi à la chaîne Dissidence. Comme ça, on pourra faire d'autres projets, d'autres délires, notamment peut-être avec les gars du Dissident Show. Qui sait, on a encore plein d'idées. Ce qui est sûr, c'est que je le dirai jamais assez. C'est un réel plaisir. Monsieur Sick, pour te servir, on sera là 2 fois par mois. C'était le 5e épisode de News Culture. Monsieur Sick, pour te servir. Ciao! À tantôt.